Vraiment, c'était très sympa. Bah, le joueur le plus populaire, je sais pas. Je sais pas, en tout cas. Et en tout cas, moi aussi, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup et je leur rends tout l'amour qu'ils me donnent. Je suis très heureux de représenter la Tunisie. Je suis très heureux de les représenter à chaque fois et très fier de porter ce maillot tunisien. Et voilà, je remercie les Tunisiens pour leur amour et je continuerai à me battre à chaque fois pour eux et pour le peuple tunisien. Il y a de la concurrence avec Hanabad, attention. Hein. Non, honnêtement, je réfléchis pas à ça. Honnêtement, qui l'aime plus ou qui m'aime moins, c'est vraiment pas quelque chose qui est important. Le plus important, c'est d'aimer Allah plus que tout. Merci. Ça, c'est le plus important. Et voilà, en tout cas, on est très satisfait du peuple tunisien, des encouragements qui nous donnent au Qatar. C'était incroyable, encore ce soir, on l'a vu. Donc voilà, j'essaierai et on, le groupe, tous ensemble, tous les joueurs, de donner le maximum pour les rendre fiers et pour qu'ils soient heureux de venir au stade. Et voilà, en tout cas, un grand merci à eux et on espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Et ça, comment ça a été la rencontre contre les stars de Bayern ? Contre ? Les stars de Bayern. Ah. Votre match contre le Bayern. Bah écoutez, c'est une très très bonne équipe. L'une des meilleures au monde de toute façon. Donc voilà, c'est un apprentissage. Je pense que jouer contre ce genre de joueurs, ça permet de progresser plus rapidement. Et puis voilà, hein. Une des meilleures équipes du monde et on l'a vu. Malheureusement, on n'a pas su gagner, on n'a pas su résister assez pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Mais voilà, on apprend et on continue à travailler. Merci. Oui, on est assez satisfait de la victoire d'aujourd'hui. C'était important. On avait à cœur de bien recommencer plutôt cette phase de qualification pour la CAN. Après la Coupe du Monde, c'était comment dire une chose qu'on devait faire. On devait tourner la page et se concentrer justement sur le match qui allait venir. On savait que ça allait pas être facile. Je pense qu'on a réussi à marquer assez tôt, donc ça a pu nous faciliter pour la suite, bien que ça a resté un match très difficile, mais voilà, on est très content du résultat et on espère continuer. Il ne va pas falloir se relâcher. Il y a un match justement la deuxième mi-temps qui va arriver très vite, donc il va falloir être bon et pouvoir essayer de ramener la victoire là-bas. Ah bah écoutez, après moi je pense que voilà, moi je suis pas décisionnaire. Après s'il veut venir, il est la bienvenue. Après je sais pas, honnêtement j'en ai pas discuté avec lui, donc je lui souhaite le bien et puis voilà, donc on va voir ce qui se passera.